Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous remercie. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, je vais vous faire une vidéo avant que je parte. Je vous en ferai peut-être une autre aussi encore après. Enfin, on verra comment ça va se passer en fonction de mon déménagement. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo. Merci pour tous ceux qui me soutiennent, qui m'encouragent. Et juste petite précision pour certaines personnes qui ne sont pas très agréables, qui mettent des messages pas très cool. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, si mon apparence ne vous revient pas, eh ben, vous n'avez plus qu'à changer de chaîne et aller voir ailleurs. Voilà. Pour les personnes qui ne respectent pas tout simplement l'être humain. Voilà. Donc je vais vous faire une vidéo, on va aller voir un petit peu, parce que déjà c'est du boulot, enfin c'est j'aime bien le faire pour les personnes qui ont le respect, hein, c'est normal. Voilà, je suis pas obligée et je le fais, donc voilà, c'est cool de... Alors si vous n'avez pas envie de mettre un message, vous ne le mettez pas, c'est pour être désagréable. Voilà, pour les personnes qui se sentiront concernées. Sinon, pour tous les autres, ben, merci de votre soutien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux, les anciens. Alors, mon oracle a été mélangé. Alors, je remets mes cartes en place et on y va. On se fait un petit tirage pour aller voir les énergies. Donc, il y a des personnes qui attendent peut-être des nouvelles ou qui reçoivent des nouvelles via les réseaux sociaux. Il peut y avoir de l'observation dans l'air. Une personne vous observe. Allez, c'est parti. Merci de me donner un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, il y a une personne qui a envie de venir à vous, qui a envie de prendre un nouveau chemin ou qui se dirige en tout cas vers vous. Une personne qui peut ressentir de la jalousie hein, à votre égard. Votre autre ou la personne à laquelle vous pensez peut ressentir de la jalousie. C'est une personne qui se dirige vers vous, qui est en chemin vers vous. Mais c'est une personne, oui, jalouse, possessive. Peut-être qu'elle ne vous l'exprime pas, mais elle ressent de la jalousie, en tout cas. Ou alors elle vous fait des petites insinuations. Alors, parents, donc c'est-à-dire que cette personne est peut-être parent, peut-être que cet homme ou cette femme a des enfants, ou vous avez des enfants, vous êtes parents ou tous les deux, ou cette personne peut être proche aussi de ses parents. Ou la jalousie, hein. La jalousie peut venir aussi de ses parents, hein, tout simplement. Hein. Alors, cette personne vous écrit beaucoup ou a envie de vous écrire, en tout cas reste en contact avec vous, ou alors, si ce n'est pas le cas, cette personne a des rêves, rêve de vous, pense à vous ou a de l'espoir par rapport à votre relation. Alors, prenez uniquement ce qui résonne, hein, parce que c'est du général. Allez, c'est parti. Alors, cette personne, je vous dis, hein, elle sent qu'avec vous, il y a cette opportunité à saisir, que vous êtes en tout cas son coup de chance, qu'avec vous, il faut saisir en tout cas cette opportunité d'avancer, hein, d'y croire. Ouais, cette personne, elle va tenter sa chance par rapport à vous. Ça peut être une personne qui ressent déjà de l'amour pour vous. Alors, cette personne, on a la carte du nom. Elle sent que c'est un coup de chance, mais elle a peur peut-être de votre rejet ou que vous ne soyez pas encore en phase de l'accueillir. Ça peut être ça. Allez voir après, c'est quoi ce nom? 2, 4. Bon. Alors oui, hein, elle est bien en chemin vers vous. Cette personne, elle vous prépare une surprise ou elle vous prépare un imprévu. Il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a un imprévu qui arrive. Peut-être que, il y a un rendez-vous manqué hein, aussi. Je vais voir ce qu'on a sous la pluie. Alors, on a la porte. Ouais, il y a une ouverture au niveau de la communication, au niveau de l'espoir, des rêves. Il y a une ouverture. Cette personne, elle semble perdue par rapport à ses enfants, par rapport à sa vie familiale, si cette personne est déjà dans une relation. Elle semble être complètement perdue, désorientée. Je vais aller voir, parce qu'on a beaucoup de messages. Ok, bon, je préfère poser votre jeu avant
Je vais vous dire ce que je vois. Ouais. Cette personne, elle y croit. Elle pense qu'un engagement avec vous est possible, que vous êtes son chemin de vie, en tout cas sur son chemin de vie, que vous êtes destiné à être ensemble. Cette personne, effectivement, oui, vous montre pas tout le temps sa jalousie, mais cette personne peut être effectivement jalouse ou jaloux. Cette personne voudrait un équilibre avec vous, les sentiments prennent le dessus, l'amour prend le dessus par rapport à vous. Donc c'est pour ça que la jalousie devient de plus en plus intense. Cette personne, elle peut avoir tendance aussi à se faire des films. Elle a besoin d'être rassurée, cette personne, parce qu'elle est complètement perdue. Elle a besoin d'être soutenue, rassurée, aidée, épaulée, aimée. En tout cas, elle a besoin aussi de vos bras, d'être, de se sentir proche de vous, que vous la souteniez. Cette personne aussi, elle croit en vous, elle pense à vous, elle rêve de vous, elle va tenter quelque chose. Elle sent bien qu'il y a une ouverture tous les deux, que vous avez un lien particulier. Cette personne, elle vous dit pas tout, hein. Il y a encore des masques. C'est vrai qu'elle a envie, hein, de saisir cette opportunité avec vous, de tenter sa chance avec vous, d'avancer dans la même direction, mais... Voilà, il y a encore des choses qui sont encore enfouies, gardées bien secrètement. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Elle peut se voiler la face aussi pour, je dirais, avancer tranquillement à son rythme parce qu'elle est perdue. Elle est perdue. Il peut y avoir... un break, il y a pu avoir un break où vous avez eu besoin de prendre du recul, où cette personne et vous, vous avez refusé, ou cette personne a refusé, hein, ce break. En tout cas, il y a un nom sur un break. Pour moi, il y a quand même une surprise via les réseaux, une invitation ou une surprise que vous allez découvrir. Vous allez être peut-être étonné, peut-être vous allez découvrir effectivement que cette personne est en break avec l'autre personne, s'il y a une autre personne. En tout cas, on voit des divertissements, hein. On voit que vous allez vous divertir ou vous vous divertissez en ce moment ensemble. On vous dit qu'il y a une rupture, hein, que cette personne va couper ou a coupé, hein, ou va couper une situation. Cette personne, a priori, elle aime bien se divertir avec vous, elle aime bien les sorties, elle aime bien la complicité qu'il peut y avoir entre vous. On vous dit qu'il y a de l'amour, hein. Cette personne, elle coupe peut-être un lien sentimental. Parce qu'elle s'ennuie, parce qu'il n'y a plus rien avec l'autre personne, si il y a une autre personne, c'est pas forcé qu'il y ait une autre personne. On vous dit que là, il y a du temps. Hein. Le temps joue contre lui ou joue contre elle, hein, tout simplement. Cette personne, elle a été blessée et aujourd'hui, elle écoute, en tout cas, ses ressentis. Avec vous, elle se sent aimée, elle se sent protégée, entourée. Voilà le petit message que je peux vous passer ce soir. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, voilà ce que je peux vous transmettre. Vous prenez que ce qui résonne. Voilà. Ouais. Alors, cette personne, elle est vraiment éprise de vous. Elle souhaite un nouveau départ. C'est une personne qui... Enfin, votre complicité peut être débordante, comme deux gamins, deux ados. Voilà, c'est assez intense. Voilà ce que je peux vous dire. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Je vous dis à très vite. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Voilà, à très vite.